entreprise, et c'est pour ça que je pense que Sapienza a été aussi importante pour moi, c'est que ce qui fait la force d'une œuvre, c'est aussi ce qui fait sa fragilité. Si une œuvre est vraiment singulière, c'est waouh, et en même temps, c'est ça peut disparaître en rien. Et quand tu regardes le destin qu'a connu l'art de la joie, donc le principal roman de Goliarda, c'est sidérant. Parce que pendant 20 ans, elle propose ça à tous les éditeurs italiens et c'est des noms partout. Son mari le publie à compte d'auteur après sa mort et ça reste dans un relatif anonymat pendant 10 ans. Et tout d'un coup, ça sort en France. Il y avait de l'énergie, il y avait du désir pour que ça soit lu. Mais après tout, ça aurait pu aussi passer inaperçu. Et maintenant, c'est devenu tellement important que non seulement c'est un auteur de best-seller en France, mais elle a été republiée en Italie et c'est devenu un auteur incontournable aussi en Italie. Et comment t'expliques ça? Cette question de la singularité, encore une fois. Et du coup, ça permet de comprendre ce que c'est qu'un travail d'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui va rendre quelque chose d'inconnu évident. De déstabilisant, enthousiasmant. C'est lui qui va faire cette bascule-là. Des fois, ça se fait tout seul, parce qu'il y a eu des grands textes qui ont eu un succès immédiat, mais à côté de ça, si Lindon s'était pas battu pendant 10 ans pour Beckett, personne lisait Beckett au début, hein, quand même. Si un contrôleur de gestion était passé par là, Beckett, il n'aurait pas publié plus d'un livre. Jérôme Lindon a tenu le coup, a publié, et à un moment, ça devient prix Nobel. Écoute, j'aime tellement cet auteur que j'ai plein d'explications possibles sur le non-succès ou la non-réception de l'œuvre au début en Italie. Mais ça reste quand même un mystère. Parce que ce livre est tellement beau que tu te dis, mais comment c'est possible que 20 éditeurs italiens le refusent? Il y a eu même un président de la République italienne quand même, qui était un ami proche de la mère de Goliarda Sapienza, qui est allé voir un grand éditeur italien en disant « Écoutez, vous ne pourriez pas le publier quand même ?» Et l'éditeur italien disait non. Donc après, si tu cherches des explications quand même, je pense que Goliarda était une personne absolument ingérable. Elle était tellement éprise de liberté et de désir qu'elle devait faire peur à plusieurs éditeurs. Et puis alors ensuite, il y a d'autres problématiques. Il y a un côté très moderne dans son écriture, à la fois sur les thématiques, parce qu'effectivement, dans les années 70, parler de la femme comme elle le fait, c'était pas du tout la situation de l'époque. Même dans les styles employés dans le livre, je le dis au pluriel parce que le roman passe tout d'un coup de... des fois, tu as l'impression de lire la suite du Guépard, et après tu bascules dans une sorte de harlequin, dans ces histoires d'amour. Il y a même des passages qui sont même mis en page comme du théâtre, donc il y a vraiment une diversité de styles incroyable. Et ça se faisait pas du tout. À cette époque, on était quand même dans le structuralisme, le nouveau roman. Cette générosité-là littéraire n'était pas du tout audible à l'époque. C'était pas intéressant. Et enfin, il y a quand même un troisième point qu'il faut relever pour un peu dédouaner les Italiens, c'est que dans l'Italie des années 70, un roman qui dans les 20 premières pages met en scène un cunnilingus avec une jeune fille de 5-6 ans, un matricide, un inceste et un meurtre de bonne sœur, c'était peut-être un peu beaucoup. Je pense qu'ils ont eu du mal quand même. Avant qu'il soit découvert en France, il a été quand même d'une certaine manière découvert en Allemagne. Il y a une éditrice qui est extraordinaire, qui s'appelle Waltraud Schwarze, qui travaillait pour une des grandes maisons d'édition. Historiquement, c'était la plus grande maison d'édition d'Allemagne de l'Est. C'était une sorte de Gallimard de la RDA. Ils avaient la moitié des Nobel à leur catalogue. Enfin, c'était eux qui publiaient tout ce qui devait être publié en littérature étrangère. Et donc, Waltraud, c'était une éditrice, elle est à la retraite maintenant, qui lisait couramment plein de langues et qui avait une sensibilité littéraire assortie à une curiosité qui lui permettait d'aller chercher des textes là où personne n'allait nécessairement les chercher. Et donc un jour, tout simplement, on discute de ce texte qu'elle venait de publier que partiellement parce que le livre était tellement gros et que les risques étaient quand même très sérieux parce que l'auteur était inconnu, morte. Méprisé même dans son propre pays. Donc ils avaient scindé le livre en deux et ils avaient fait paraître la première moitié en se disant si ça marche,
on fait traduire la deuxième moitié pour diminuer les risques financiers de la traduction. Et donc elle me parle de ce texte en disant, je crois vraiment que c'est un texte important, mais voilà, il y a tous les risques que je viens d'évoquer, mais tu devrais quand même t'y être intéressé. Et c'est ça qui a changé ma vie. Véritablement, quand je dis ça, c'est, je suis marseillais d'origine. Donc des fois, je m'emporte dans les mots, pas sur Sapienza. Parce que c'est quand même un livre qui porte rudement bien son titre. C'est un livre qui t'apprend à être heureux et à pas céder sur ton désir. C'était amusant d'ailleurs, parce que souvent les lecteurs, quand ils parlaient de ce livre, ils confondaient l'auteur et le personnage. Quand ils voulaient dire Modesta, donc ce personnage principal qu'on suit sur 60 ans de vie, ils disaient très souvent Goliarda. Et c'est vrai, tu le sens que Goliarda a une vie qui a été complètement intransigeante sur son désir. Elle a brûlé, elle s'est brûlée dans sa vie. Elle a beaucoup aimé, elle a beaucoup souffert, elle a fait des tentatives de suicide, elle a fait de la prison, elle a été une grande actrice, elle a été rien à un moment. Elle a vécu quand même plusieurs années avec une infirmière qui l'a surveillée pour pas qu'elle fasse de bêtises. Elle s'est réduite à la pauvreté pour écrire L'Art de la joie. À un moment, elle vendait ses meubles pour arriver à finir ce texte. Et c'est ce que j'aime particulièrement dans Moi Jean Gabin, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure, c'est que une femme qui a eu ce parcours-là, qui a tout sacrifié pour écrire un roman monstre comme L'Art de la joie et qui n'obtient rien en retour, enfin rien des autres, parce que je pense qu'elle, humainement, c'est un livre qui l'a changé, mais qui n'obtient aucun écho sur cet effort-là, elle est capable d'écrire après un livre aussi joyeux et aussi enthousiaste que moi, Jean Gabin. Voilà, c'est une grande femme. Elle écrit combien de livres ? Alors, ça dépend les critères qu'on retient. Parce qu'en Italie, pour finir l'histoire, c'est maintenant un des plus grands éditeurs d'Italie qui a engagé la publication des œuvres complètes. Ce qui est très important chez Einaudi, quand il annonce œuvre complète, c'est... dans les œuvres complètes, il inclut de la correspondance, des journaux intimes. Grosso modo, selon la manière dont cette publication va se faire, je pense que chez Attila, au rythme d'un livre par an, on va terminer vers 2020. Il y aura une dizaine de livres, à peu près. Mais c'est un archipel, il n'y a pas deux livres qui sont identiques. Tu as du théâtre, tu as de la poésie, tu as des romans, il y a encore un roman inédit au moins. Tu as des récits autobiographiques qui sont fabuleux. Là, le prochain qui va sortir, c'est un texte sur son expérience de la prison. Voilà, c'est super. Il y a des livres comme Moi, Jean Gabin. Il y a des petits textes en prose qui sont étonnants. Il n'y en a aucun d'eux n'a rencontré de public de son vivant. Alors, son texte de la prison, si. Donc, c'est un texte très tardif. Hein. Il est sorti au début des années 80, donc après L'Art de la joie. Et il s'est vendu à quelque chose comme 15 000 exemplaires. Ce qui, pour un auteur strictement inconnu, ce qu'elle était, est remarquable. Mais ce qui n'a pas fait que son éditeur ait publié L'Art de la joie après. Il était bien content du succès, mais il disait L'Art de la joie, non, je peux pas. Voilà. L'emprisonnement de Goliarda, c'était une histoire très bête. Elle était dans ce moment où elle sortait de l'écriture de L'Art de la joie et elle s'était réduite à la pauvreté. Et donc il lui arrivait régulièrement d'emprunter de l'argent auprès d'amis et il y avait une bourgeoise qui circulait dans le cercle des artistes dans lequel se retrouvait Goliarda, parce qu'elle ne s'est jamais isolée hein, du monde, elle vivait à Rome, et elle lui demande de l'argent, je crois, et la bourgeoise dit non. Et Goliarda, qui vient quand même d'un milieu très insurrectionnel, hein, ses parents, c'était pas rien, c'était des grandes figures du socialisme italien pour la mère, le père était une sorte d'avocat des pauvres, elle a grandi avec Marx dans la poche. Voilà, de rage, elle lui a volé des bijoux et elle est allée les vendre au dixième de sa valeur au premier marché venu, et la bourgeoise a porté plainte. Ce qu'elle a regretté après, parce qu'elle s'est mise à dos tout le cercle qu'elle espérait séduire, mais Goliarda en fait était relativement contente d'aller en prison parce que c'était un moment de détresse psychologique assez important pour elle,
à ce moment-là. Et d'ailleurs, le livre s'appelle l'Université d'Iribibia. Iribibia, c'est l'équivalent de Fresnes en Italie. C'est une prison de femmes qui se situe dans le quartier de Iribibia, au nord de Rome. Et je pense qu'inconsciemment, elle l'a vécu comme une planche de salut parce que ça a été une sorte d'électrochoc qui l'a ramenée sur Terre. Et quand elle dit que c'était une université pour elle, c'est qu'elle y a rencontré des femmes qui étaient d'une telle générosité, d'une telle densité de vie, que ça a balayé tous ses problèmes. Elle est ressortie de là-bas complètement ragaillardie et à ce point heureuse que d'ailleurs, des années après, elle leur a consacré un deuxième livre aux femmes qu'elle avait rencontrées là-bas. Temporellement, elle y est restée très peu de jours. Sauf que c'était quand même quelque chose d'un peu extravagant, parce qu'elle débarque dans une prison, elle a une soixantaine d'années. Ça a été une ancienne très grande actrice. Quand je dis qu'elle était une grande actrice, elle a quand même joué pour Visconti. Elle a été une amie proche de quasiment toute l'intelligentsia italienne de l'époque, des années 50-60. Son mari était en fait la figure du Parti communiste italien pour le cinéma. Voilà, il avait en charge la cellule cinéma et tout. C'était quelqu'un de très important. Et tu as cette femme-là qui en plus a une culture mais monstrueuse, qui débarque dans une prison avec des junkies, avec des prostituées, qui ont toutes 30 à 40 ans de moins qu'elle. Et elle va devenir, je dirais pas une sorte de mascotte, mais elle va les séduire en fait. Parce que Goliarda, dans une situation pareille, c'est la modesta de l'art de la joie. Et d'ailleurs, on peut aller même plus loin dans le pourquoi de l'expérience. Dans l'art de la joie, à un moment, c'est-à-dire Goliarda, Modesta fait l'expérience de la prison. Elle va se retrouver en prison pendant la guerre. Sa mère a fait l'expérience de la prison, puisque c'était une grande militante antifasciste. Elle a été persécutée. Je me demande en quelle mesure Goliarda ne voulait pas faire cette expérience pour boucler la boucle. En même temps, quand tu regardes son parcours, elle est née dans la Révolution, puisque sa mère et son père, dès les années 20 en Sicile, en plus, qui n'est pas le coin le plus progressiste d'Italie, prenaient la collectivisation des terres, la réduction du temps de travail, l'abolition de la propriété, enfin, j'étais assez carabiné quand même, et c'était tellement engagé comme parti pris qu'ils avaient quand même les militants fascistes et la mafia qui était sur leur dos et qui ont assassiné plusieurs de leurs enfants. Et c'est le sujet de Moi Jean Gabin d'ailleurs. Goliarda, sa petite enfance, s'est faite dans ce terreau insurrectionnel où elle a appris l'engagement, très clairement. Et en même temps, très vite, donc vers l'âge de 14-16 ans, elle part à Rome pour étudier l'art dramatique et devenir une comédienne. Je pense, notamment à cause de la figure de sa mère qui était vraiment écrasante, que Goliarda s'est toujours méfié quand même des engagements politiques trop marqués. Et en même temps, je disais tout à l'heure, son compagnon pendant 18 ans, Masselli, était une grande figure du Parti communiste italien, qui à l'époque, le Parti communiste italien dans l'après-guerre, c'était encore mille fois plus puissant que celui de la France. Progressivement, elle s'est débarrassée de tout ça. Je frise le spiritisme quand je dis Goliarda n'était pas comme ça, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je le sens profondément comme ça. Oui, si tu regardes le personnage de Joyce, par exemple, dans L'Art de la Joie, qui est la figure de l'engagement politique, finalement, c'est quelqu'un dans Modesta, qui est l'alter ego de Goliarda, va se défaire, parce qu'elle devine que finalement, et moi c'est une position qu'à titre personnel je partage tout à fait, que toute personne qui veut faire ton bonheur à ta place est finalement quelqu'un de dangereux. Quelle que soit l'idéologie qui est derrière, que ça soit une idéologie, on va dire, fasciste, ou utopique, comme l'était le communisme. Goliarda se méfie en fait de ça, je crois. On travaille donc avec la traductrice de L'Art de la Joie, hein, sur tout le projet, et Angelo faisant le programme des œuvres complètes en Italie. C'est lui qui fait les éditions critiques, puisque maintenant la plupart des œuvres qui sont en train de sortir,
sont des inédits. Il y avait une malle, en fait, qu'Angelo explore au fur et à mesure. Donc là, il travaille sur ses carnets. Et là, par exemple, les carnets, pour l'édition italienne, elle se fait en deux volumes. Est-ce que pour la France, on la fera en deux volumes ou pas? Ce sont des questions qu'on va traiter progressivement.